Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Et oui, je reprends un peu les vlogs. Ces derniers temps, je vous ai fait plaisir. J'ai fait en sorte de faire des vidéos un peu plus construites. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire mon petit vlog habituel. Nous sommes dimanche et aujourd'hui, nous allons essayer de retravailler Monsieur Bilbao. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai Amanda Varnière qui est venue pour me faire un cours particulier de travail à pied avec Monsieur Bilbao. Alors, initialement, on a pris Bilbao parce que c'est lui que je travaille le plus, contrairement aux deux autres filles. Mais du coup, la méthode qu'elle m'a expliquée, je vais bien sûr la travailler sur Bilbao, mais par la suite travailler sur Miss Gossip. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est Bilbao qui est un peu plus avancé dans le travail et avec qui j'ai un peu plus de difficultés. Donc on va essayer aujourd'hui de reprendre ce qu'on a travaillé toutes les deux. Tous les trois, oui, excusez-moi Bibi, je t'avais oublié. T'es à côté de moi, t'es imposant, mais je t'ai oublié. Donc on va aller le prendre, on va essayer de travailler tout ça. Si ça se passe bien, bah, j'essaierai également de prendre Miss Gossip pour tenter également d'essayer un peu ses exercices. Bon, Miss Golden, comme d'habitude, pour l'instant, on est juste sur un travail de confiance et de désensibilisation. Donc on verra ça par la suite. Mais du coup, nous sommes partis, pour aller travailler. Let's go. Du coup, ce matin, j'ai dû me lever tôt. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que du soleil le matin. Et toute l'après-midi, on se tape encore la pluie. Donc hier, je me suis allée me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt. Pour pouvoir vous tourner une vidéo. Eh, si ça, c'est pas de l'amour, hein. Bon, au final, je dois retourner chercher à l'école. Parce que bien évidemment, je suis partie voir directement les poneys. Mais je ne suis point allée chercher à l'école pour prendre Bilbao. Ça, c'est l'intelligence océane 2.0. Oui. Je me fais embarquer. Donc on va aller chercher ceci. On va aller chercher Monsieur Bilbao. Et on va enfin être parti pour cette vidéo. Voilà. Et du coup, ça fait je sais pas combien de vidéos, je vous dis qu'on doit aller débroussailler le paddock. Et toujours rien de fait parce que bah, le temps ne nous le permet pas. Là on a du soleil, mais vu que l'herbe bah, elle est ultra mouillée, ultra engorgée, bah pff, ça sert à rien. Normalement semaine prochaine, il est censé faire beau. On est censé monter dans les 30 degrés, donc je pense qu'on va en profiter pour nettoyer tout ça avant que le temps de merde revienne de nouveau. J'avais envie de mettre le licol bleu à Bibi aujourd'hui, mais vu qu'on va travailler, je ne pense pas que ce licol soit adéquat. Parce que c'est quand même un licol tranquillou. Je m'en fous, on va lui mettre pour aller le chercher. Et on verra par la suite si on lui en met un autre. Nous verrons ça. C'est encore tout mouillé ici, j'en ai marre. Dès qu'il pleut, c'est une inondée. C'est chiant. Va falloir que je m'attelle à nettoyer toutes mes affaires pour la rentrée. Bon, en soi, pour moi, c'est pas une vraie rentrée. Parce que voilà, hein, avec les loulous, c'est la rentrée tous les jours. Mais qu'avant la fin de l'été, bah, les brosses et les licoles, etc. soient nettoyées. J'ai traîné et au final, bah, ça s'est accumulé. J'ai quasiment tout à nettoyer. Donc voilà, je suis ravie. Bon bah Golden n'a même pas capté... Ah si, elle a capté. Mais elle a pas capté que je partais avec Bilbao. Normalement, elle est toujours au garde à vous dès que je m'approche de Bibi et que je lui mets un licol. Ah voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça y est, elle a poussé son petit hennissement. Mais petit à petit, elle commence un peu plus à ignorer Bilbao. Donc c'est déjà un bon point, c'est plutôt pas mal. Mais c'est encore des choses qu'il faut travailler. Mais ouais, avant, dès que je m'approchais de Bilbao ou qu'elle voyait que j'avais un licol. Ça y est, hein, c'était panique à bord, je lui volais son Bilbao, elle était totalement désorientée quoi. Donc il y a de l'amélioration, faut laisser encore un peu le temps, hein, avec Golden c'est surtout une question de temps.
de patience et de temps et de patience, voilà. Je sais pas vous, mais je trouve que Bilbao a déjà bien perdu du poids avec le fait que je les laisse encore dans le parc où il y a beaucoup moins d'herbe. Donc je suis contente, ils commencent légèrement à s'affiner. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente doudou. Et pour le coup, bah, il a pas eu de panier. Parce que j'ai pas encore pris le temps de commander le panier Bingward. Mais au final, ça va. Il est plutôt bien niveau morphologie. Et le coco, il connaît le chemin tout seul. Et on s'arrête pas pour manger. Je viens de dire que t'avais une silhouette qui commençait à s'affiner. Commence pas à me faire mentir, toi. Alors, pour vous tenir informé sur l'évolution du pied de Bilbao, hop, vous pouvez voir qu'au final, ça n'a pas forcément bougé. Donc, là, on voit bien ici, à ce niveau-là, le décollement de la paroi. Attendez, hop. Mais en soi, ça ne bouge pas. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, on verra au niveau du prochain parage. Quand le maréchal ou le podologue, je sais pas encore, viendra bah, bien refaire tout. On verra du coup ce qu'il en dira, mais ça le dérange pas, ça n'évolue pas, ça se creuse pas plus. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien d'alarmant par rapport à ça. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que beaucoup de vos chevaux font ça aussi, mais qu'en soi voilà, c'est pas non plus trop grave en fait, hein. ça se refait assez, assez rapidement, mis à part si on part sur une fourmilière ou une sème, quoi. Ça c'est totalement autre chose et faut très vite traiter. Mais vu que là ça ne bouge pas depuis une ou deux semaines, pour l'instant voilà, je continue à entretenir, à faire attention, à bien nettoyer. Et quand le maréchal ou le podologue viendra, bien on verra tout ça ensemble, ce sera plus simple. Bon bah finalement ce sera le petit l'école éthologique. Vous allez travailler. Donc comme d'hab j'allais travailler à côté. Vu qu'il y a moins d'herbe, il sera moins tenté de manger. Et on va voir si on a bien écouté la dernière fois. À moi Dudou. Thank you.
Je suis très contente de la séance qu'on a effectuée tous les deux aujourd'hui. Bilbao, il est très concentré. Je sais pas si c'est la méthode que Amanda m'a donnée qui est bonne pour lui et pour nous. Bon, il y a encore des choses à travailler, mais franchement, il est beaucoup plus connecté avec moi. Et ça, c'est un très bon point. On va continuer à travailler ça. Je suis hyper contente. Ça me pousse à aller beaucoup plus loin quoi, dans mes capacités avec lui. Donc voilà, c'était une chouette petite séance. J'ai oublié de prendre le licol de Gossip, du coup je viens de lui mettre celui de Bilbao. Le loot, clairement il est beaucoup trop grand. Ah mais Doudouce, oh là là, maman elle veut que des bêtises. Allez viens, allez, voilà. C'est juste le temps d'aller la rattacher là-haut au niveau des box et lui mettre son licol. Parce que là ça ne va pas du tout messieurs dames, arrête de vouloir manger aussi toi. Ceci est un licol plus adapté à la petite tête de mademoiselle, n'est-ce pas? En plus, il y a les strass. Je m'en lasserai jamais de ce licol-là. Bon, par contre, le seul souci, c'est que j'ai les petits décors qui sont en train de partir. Donc, il faut que j'aille acheter de la colle ultra fort, justement, pour recoller tout ça. Parce que je l'aime beaucoup trop. Il lui va hyper bien, mon mode douche. Elle est beaucoup trop belle avec le licol blanc. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça fait une petite jument là de compétition. Elle est sublime, j'adore. Hein, ma louloute. Et hop, ça mange le peu d'herbe qu'il y a de face à elle. Hein. On va aller travailler, hein, ça te fera du bien aussi. Arrête. Voilà.
Bon, la petite séance avec Gossip vient de s'achever. Bon, un peu plus compliqué qu'avec Bilbao. C'est vrai que Gossip ne connaissait pas du tout le déplacement des épaules ni la mise sur le cercle. Bon, Bilbao non plus, mais c'est vrai que Bilbao a eu plus de facilité à comprendre l'exercice. Donc on va travailler ça également avec elle. Bon, il faut que j'arrive à me dire que Bilbao et Gossip ne travailleront pas à la même vitesse, n'apprendront pas aussi vite l'un que l'autre. Donc il faut pas que je fasse de différenciation entre les deux. Mais elle m'a quand même donné du bon, donc voilà, on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Et moi je vais également arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Là je vais ramener Gossip au parc, je vais essayer de faire quelques petites gratouilles à Golden et je vais rentrer. Du coup, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !